Gade jan mè a séché, lan mè a fè bak. Nou se pa konnen se tsunami, se kon sa tsunami yo fèt, oui. Lè pral gen tsunami, glo lan mè a ale loin nan fon, pa an dan tè yo, non? La lè an dan lan mè a, li pratikman séché. Et puis, nou se pa konnen ke si lan mè a, nan kasa yo lan mè a toujou retounen, chans pou nou siye pat gen tsunami. Men lè lan mè a pral retounen lè sa, li gen doa pi wo kon kaye. Deux étages, on cache un mode deux étages, oui. Et tout le monde qui souffle la jarre, je ne sais pas comme ça, non, mais. C'est pour ça, éducation peuple important. Donc, qui j'en nous te doit préparer? Ressources à budget est déjà disponible dans l'État. Évaluation zone de danger, cinq départements et sorti dans le Grand Sud, arrivé dans le département de l'Ouest. Et trois départements sorti dans le département nord-ouest, arrivé département nord-est, passé par le département nord. Nous songeons, moun ki la yo, captain de matin, comment même expliquer nous déjà, simulation que gros experts yo fait pour département, trois départements yo, nord-ouest, nord, avec nord-est. Yo prévoit que dans le prochain tremblement de terre, 65% moun o kap ap moui. Près de 50% kay et o kap ap krasé. Tout moun kap viv, bo de l'eau, o kap yo, bo lan mer, yo tout ap moui parce kap gen tsunami. Même bagay pour Fort Liberté. Même bagay pour Port de Paix. Et les nous fin faire évaluation des dangers ça. Qui j'en parle pour lui. Et bien, l'el fait au cap, nous va le dire qui ça nous va le faire, non? Donc, toujours qui j'en nous est préparé. Et coopération qui doit gagner entre certains bureaux de l'État. Coopération, c'est pour une coopération qui va venir comme ça. Faut entraîner ensemble. C'est même j'en l'ai armé. Par le fond opération, par exemple l'armée américaine par le fond opération, côté le bras touye Ben Laden. Bon entraînement qui fait pour ça, en fonction côté Ben Laden hier, et entraînement dit, mais chaque, mais qui ça chaque qu'on a fait, mais qui j'en pour le fait pour prendre Ben Laden. Et mais c'est même bagaille là. Les bon tremblement de terre, faut que avant tremblement de terre et tsunami arrivé, faut que ça relé exercice. Et comment relé ça? Les moun a entraîné. Simulation. Simulation, non? Hein? De simulation. C'est simulation, mais qu'on l'autre mot, il l'a entraîné pour faire un bagage pour apprendre. Comme si, ou prend CNE, ou prend FAES, ou prend protection civile, ou prend santé publique, ou prend travaux publics, ou prend la Croix-Rouge, ou prend l'armée, ou prend la police, il y a habitué d'entraîner ensemble pour que les tremblements d'été arrivent. Non seulement, il y a chaque gain des bagages spécifiques qui a fait, mais il y a aucun qui travaille ensemble. Et en anglais, il y a ça, drill, ouais. Et m'a pas besoin de mots en créole dans la tête un matin, mais m'a besoin de dire. Donc, m'avait dit que coopération de bureau l'État ça. Quatrième bagage qui est important, c'est l'exercice que nous sommes donnant pour habituer, faire simulation ou développer coopération ça. Et puis, cinquième bagage qui est important, faut que l'État central là, les grands tremblements de terre, les grands plans, avait dit que dans la primatia, un plan pour exécuter. Et plan ça, chaque ministère, chaque direction générale gon rôle là-dedans. On dit gon tremblement de terre dans Grand Noir. Demain matin, même côté plan activé. Et bien, l'el fait qu'on va le faire plan, non? Plan doué là. Par exemple, le président Jovenel était là, t'es un tremblement de terre en 2018. Ouais, même côté là, l'armée est en montée, institution l'État est en montée, dans le département nord-ouest et la Tibonite, l'été gagne un tremblement de terre octobre 2018. Là. Ouais, quand il a commencé, quand il a écrasé, au même côté, l'armée, travaux publics, binédé, démoli, travail qui pouvait être là. En 2018, il était fait. Parce que, t'es une mise en place qui fait. Bien entendu, dans le cadre qui j'en nous t'ai préparé, heureusement, président Jovenel Moïse t'a acheté 478 tonnes de matériel médical pendant Covid là, nous avons servi avec lui. Heureusement, contrairement à 2010, côté nous pas de perceuse, nous pas de grédère, nous pas de camion, nous pas de tracteur, président Jovenel Moïse t'a acheté 154 maçonnier chiffre là bien, millions de matériel lourd qu'il te mette dans la direction départementale travaux publics qui fait que l'État vient une capacité pour le faire une série de bagailles. Donc ça veut dire que le président Jovenel, heureusement qu'il était fait aéroport Jérémy, qui permet que aide plus vite. Et aéroport l'El Tap bâti, il était respecté règles parasismiques, c'est pour ça qu'il pas crasé. Donc ça veut dire qu'il y a une série de mises en place qui était faite sous Jovenel Moïse, qui permet que une série de bagailles et gagné ça sans parasismique, sans d'accord parasismique qui était bâti, il y en a chaque département.
D'ailleurs, c'est là-dedans, il a fait le centre d'accueil COVID-19. Heureusement, la pandémie n'a pas frappé, nous j'en te prévoir, nous pas obligés de faire tout le centre d'accueil, il y a tout le centre COVID-19. Donc, le premier bagage que je là, c'est qui j'en nous te parler. Deuxième bagage que je qui est important, c'est la réponse qui doit bailler là même. Ça veut dire que le tremblement de terre a fait à 8h30, ok? Pendant le tremblement de terre a fini fait à 8h30, entre 9h45 et 10h30, te gen, te dwe gen ki sorti Port-au-Prince, 3 convois. 3 convois kale nan 3 départements géographiques. Dans chaque département sa yo, et que convoi sa yo pralé. Et ou te gen, ou gen en dedans convoi, ou gen CNE, ou gen FAES, ou gen protection civile, ou gen santé publique, ou gen travaux publics, ou gen la Croix-Rouge, ou gen l'armée qui voye renfort, la police qui voye renfort. CNE, avec travaux publics, matériel lourd pour terrain, FAES, libéral pour faire manger, besoin de l'eau, besoin de base, protection civile, libéral faire évaluation des gars, pendant la faire évaluation des gars, li prend nom, tout le monde qui est victime, numéro de téléphone, ak localité que vous avez, étant donné que protection civile a manqué capacité, vous allez travailler avec magistrat et kazek yo, et organisation de base au niveau local, yo, pour garantir que vous jouez non toutes victimes avec numéro de téléphone, ça vivant, les gens qui mourent, ou enterrer là même pour ne pas gagner épidémie. Santé publique, vous voyez matériel avec ambulance, docteur infirmière qui jusqu'à présent manquait souterrain. Manquait docteur, manquait infirmière, manquait matériel médical. Donc ça veut dire que, et même côté l'UVA, ou activer ça le protocole d'urgence. Dans l'État, doit gagner un protocole d'urgence. Les tremblements de terre privés dans le Grand Nord, c'est un grand bagaille pour soit président ou bien premier ministre dit les prochains tremblements de terre et protocole l'activer. Même quand on dit protocole l'activer, étant donné bon plan qui existait, même qui dans CNA connaît que même côté a faut tout matériel CNA est en prend route département non. Li voyons avant-garde et devant sous route là pour que matériel qui dans la Tibonite est en paré pour aller dans le Grand Nord et avant-garde là gain temps à regarder sous route là dans pile beau et côté fragile yo est-ce que tremblement de terre a crasé monde crasé route pour que convoi cap vini yo et mais yo gain temps et gain travail qui fait pour yo passer tout bagage ça gain temps paré aéroport dans département noir qui aéroport quoi servir pour que gain des bagages c'est pas avion et pas hélicoptère gain temps voyer yo. Donc, protocole d'urgence, il faut l'activer dans la réponse qui doit bailler là même. Assistance médicale là et premier soin, c'est eux-mêmes qui sont très important. Parce que le tremblement de terre, il y a un pile trauma, un pile bras cassé, pied cassé, os cassé. Et orthopédie, c'est une priorité. Elle dit que le conseil de spécialisation qu'on a besoin, chirurgien et la trier. Il faut que l'on active le protocole là. Santé publique pour aller, il faut qu'il y ait un personnel spécialisé en même temps tout. Il faut qu'il y ait un équipement médical avec infrastructure médicale là, ambulance, etc. qui pour aller, santé pour le besoin, qui la Croix-Rouge doit avoir une quantité de sang pour les gens qui sont victimes. En même temps tout, on active et ça relève search and rescue. Avec dit que nous avons un investissement, nous allons obliger de faire dans la police là. Investissement nous va l'obliger faire dans la police, c'est formation 40 chiens. Chiens qui formés pour identifier les gens qui vivent en bacaille qui crasé. Depuis 2010, chaque fois ça arrive, les Américains sont obligés de voir les chiens. Bon. Nous obligés de faire un investissement dans 10 ans qui viennent, côté nous former des gens pour ça à l'étranger qui ont voulu chercher. Nous devons demander aux Américains dans le cadre de coopération bilatérale qu'on a avec vous. Bay la police là, 5 personnes qui ont formé chien pour ça. Parce que chien ça, ils recevront une formation depuis les gens qui vivent en bas en caille, l'identifier. Chien a une formation. Nous devons former 40 chiens pour ça, pour faire ça aller search and rescue. Il faut gagner tout, moun nan travaux publics dans CNE pour nous former les gens qui crasent dans le tremblement de terre. Comment pour sauver les gens? Parce que les gens pour déplacer les gens qui crasent, pour que pendant qu'on parle des mounan, et puis des combes, avait dit, bout de fer, bout de ciment, bout de béton, parle tout les mounan. Bon, Jean Bouffel, il faut qu'il y ait une formation qui fait dans la santé publique
et m'a dit dans la santé publique, dans les travaux publics et dans le CNE sous ça. Évacuation, centre d'accueil étant. Il faut qu'on qui gens pour faire évacuation. Par exemple, un monde qui est à l'écraser, ou fait le fond, tant peut-être devant la caille. Nous n'avons pas besoin de prendre espace public pour créer ça des communautés de temps. À moyen terme et long terme, il va y avoir plus de problèmes qu'il résout de problèmes. Donc, il faut un centre d'accueil, il faut une évacuation. Nous sommes parlé de chercher et sauver les victimes. Parce en général, ou besoin, c'est nous-mêmes qui battons le corps dans le monde là, dans le monde qui était vivant, en bacaille, après tremblement de terre. Nous pouvons croire 10 jours, bien 8 jours, et dans le tremblement de terre 2010, nous avons besoin de monde vivant, peut-être 7 jours, 8 jours, après qu'il est tombé. Mais en général, après 4 jours, perdit le monde. Et sous pas pressé. Et faut faire tout et éducation civique peuple là pour gagner pour pas gagner ça relé monde qui tomber dans ça relé dommage secondaire. A dit que quand ou gagne doit là dommager et vous pensez tremblement de terre a fini et puis va rentrer dans caille là. Et puis vinn gagne ça relé on réplique. A dit après tremblement de terre toujours gagne des petits tremblements de terre qui viennent après dans langage technique relé ça réplique. Et puis pendant réplique là on dans caille là et puis caille là qui était dommagé seulement tout craser sous. Il y a pile fois des gens qui mourent comme ça. Il faut nous pas oublier. Ça, c'est pour le deuxième point, réponse qui doit bailler. Nous pouvons faire évaluation de réponse qui bail souterrain, nous pouvons faire l'ensemble s'ouvrir. Troisième étape pour gérer des désastres naturels, c'est ça relé et mitigation. Et bon, vous allez commencer à parler de reconstruction, vous allez faire ça relé des évaluations régulières, vous allez regarder dommages encore. Après, on va rentrer dans la quatrième phase qui c'est reconstruction, côté nettoyage à fait, côté conseil de système critique qui crase, tant que de l'eau potable, électricité qu'on commence à restaurer, et puis à moyen terme et long terme, on va le chita sur reconstruction. Ça a beau quatre phases, sous couler à s'ouvrir Sony, nous allons rentrer dans le détail. Donc, avant d'entrer dans le détail, il faut regarder qui j'ai nécessité pour rentrer ça dans. Curriculum l'école là parce que je dis à la même si réplique n'a pas là ouais c'est gros panique presque tout côté moun pa vle dormir en deux cas ils avaient moun yo pa konnen bagay yo effectivement non pa konnen nou pa konnen meilleur comportement pour moun gagner en deux cas yo ça c'est une parce que là on machine a passé le vibre en espace c'est gros panique moun yo pa fin saisi bagay yo. Bon moi je pense que li important que le ministère de l'Éducation nationale, dans le curriculum éducation, il mettait dans l'école primaire, l'école secondaire et dans l'université en formation sous désastre naturel. Parce que dans le centre cabinet, ce n'est pas est-ce qu'il y a un désastre naturel, c'est plutôt qui est un désastre naturel. Donc dans le curriculum de formation de Timounio, dans le préscolaire, l'école primaire, secondaire, il faut apprendre qui sont les tremblements de terre, qui ont les tremblements de terre à faire arriver, les tremblements de terre à commencer à frapper, comment lui-même, comme Timoun, comme citoyen, comme citoyenne, lui doit réagir pendant le tremblement de terre, si l'on donc a qui ça doit faire, et en général, il faut courir sorti, sous qu'on n'a pas bien temps sous courir sorti, il y a des côtés spécifiques dans le cas là. Ou doit aller sous pas bien t'en sortir ou qu'elle a crasé et que même si qu'elle a crasé gain de côté dans qu'elle a souillé ou gain doit gain chance pour être vivant faut qu'on toute bagaille ça yo faut qu'on ait tout et qui comportement qu'on doit gain et pendant et après tremblement de terre et qui gens pour gérer tremblement de terre sous vivre bol en main ou doit connaître ça veut dire un tsunami comment un tsunami fait et qui gens sous son monde qui bol en main les gain tremblement de terre. Il faut que dans 7 ou 6 minutes après le tremblement de terre, si c'est bon en mer qu'on était, il faut aller courir monter, mon qui pipe, il faut en au moins 2 à 3 heures de temps en vont descendre. Et parce que si on tsunami ou rete bon en mer, on va mourir 100%. Moi-même, dans la simulation que moi, pour le prochain tremblement de terre dans le département Nord, grand pile mon au cap, grand pile mon fort liberté,
grand pile monde Port de Paix Bodme Jean-Abel Mol Saint-Nicolas cap mouri à cause de tsunami cap gagner dans prochain tremblement de terre dans département Nord son tremblement de terre à peu près 8.3 que la pied donc bagay sa yo ou obligé mettel dans formation scolaire et universitaire Simon yo pour que demain matin citoyen en compte toute bagay sous désastre naturel li konn ki jan pou gérer un tremblement de terre avant, pendant et après, avant très important, parce que, je ne vous dis pas, si nous ne pas gérer avant tremblement de terre, c'est pita pitris. Avant tremblement de terre, vous dit qui ça? Sous son magistrat ou son casette, quel que soit kaye kap construit, bâti, dans la section communale et dans la commune kotoye, ou qu'on est depuis moun n'a pas respecté règlement parasismique, yo, pral gagner dégâts matériels et gen la vie kap perdu. Sous respecter règlement parasismique yo, ça veut dire. Ça veut dire que l'OAP fait fondation Kaila, bon Jean pour le faire. L'OAP maré fait dans fondation Kaila, bon Jean pour faire à maré. Bon Jean pour mettre bloc yo, ou pas qu'à mettre bloc yo n'importe qui Jean. L'OAP fait motia, bon Jean pour mélanger sable là. Et c'est pas n'importe qui qualité sable, ak ciment, avec l'autre bagaille pour mélanger. L'OAP coule béton, bon Jean pour couler béton. Sous respecter règlement parasismique yo les tremblements de terre arrivé li te met 9.0 kay ou pas craser et c'est pour ça tout l'homme on a bâti journée jodi a ou dans pays d'Haïti pour faire partie des 5 départements qui puis menacé yo et même l'autre département qui pas menacé yo gen deux bagages qui important l'a bâti kay ou faut garantir que kay ko bâti a respecter règlement parasismique yo et règlement anticyclonique yo. C'est pour pas laver mes siates. Ou pas qu'à fin pour 50 000 dollars, 100 000 dollars, 200 000 dollars, 500 000 dollars. Ou mettez le nom caille parce qu'on pas respecté le règlement parasismique et le règlement anticyclonique. Les gros cyclones catégorie 5 ou bien les gros tremblements de terre 8.0. En 15 secondes, on perd 500 000 dollars. Sans les. 10 secondes. Ou ap di ça là non côté au monde qui gon cache en bitou li rel ingénieur vinn faire étude de sol vinn faire tracer plan on paquet de bagaille mais on côté chaque monde attendez on côté et chaque monde gon 20 000 goud li rel on boise une balle de jour non ça pas un problème il fait le mosso pas mosso non même qu'on réalité ça gè des monde k'ap bâti caille moun nan gè ta bâtion caille même dou son 4 pièces. Et puis c'est sous 10 ans que moun nan bâtil, chaque fois on 10 000 goud l'achete un bloc, etc. Même l'op font kaye comme ça. Bon série de règlements pour respecter. Premier règlement pour respecter, il faut que dans la commune kotoye, ou mande autorité l'État, checker pour vous à travers deux bureaux des mines, est-ce que terre kotoye, koto pral bâti, est-ce que son terre qui liquéfie? Dans des mots ça bien, ou même comme citoyen, citoyenne, captain de demain matin. Pour pas nan laver mais si à terre avait dit comme vous investi à la pour pas le perdre dans 15 20 secondes les tremblements de terre ou bien moun ka mouri peut-être ça premier bagage pour garder est-ce que terre ou toi bâti à liquéfié c'est premier bagage ou même en tant que citoyen depuis au dou terre liquéfié de pour bâti sous l'ou perdit comme là bon répéter ça encore depuis terre liquéfié ou bâti sous lui ou perdit comme là n'importe qui souke ta la graser ça est premier bagage là. Deuxième bagaille là, l'ojoint terre à couler, terre à pas liquéfier. On pourrait aller construire caille là dans respecter règlement parasismique et règlement anticyclonique. Pendant après tremblement de terre 2010 là, dans tout département géographique yo, bien formation qui était faite pour boss maçon avec ingénieur et architecte pour te montrer comment pour bâtir caille parasismique. Donc boss maçon qu'on gagne qui fait formation et contre qui j'en pour bâti, kay parasismique yo, faut servir avec yo. Donc, pour retourner dans ça, nous t'a dit, il faut que, effectivement, dans l'école yo, yo apprenne tout citoyen et citoyenne qui en dedans pays ya, comment, avant tremblement de terre, et qui ça nous doit connaître, après dans tremblement de terre, qui ça nous doit connaître, et après tremblement de terre, qui ça nous doit connaître. Ça, son question de lui doit faire partie de politique de sécurité nationale nous parce que li ka dommager avenir nous tous et tremblement de terre 12 janvier 2010 là parce que éducation ça a pas fait dans pays a éducation pour nous connait qui ça pour nous faire avant pendant et après le 12 janvier 2010 en 26 secondes nous perdu 320 000 moun
et nous perdu 14 milliards de dollars américains en 26 secondes. Tandis que si nous te connaissons, parce que c'est un rapport que nous te remettons depuis octobre 2001, bah Aristide, de Jean-Bertrand Aristide jusqu'à président Préval, le tremblement de terre a fini fait, pas aucun président qui t'est préparé pays pour tremblement de terre. Résultat, le 12 janvier 2010, en 26 secondes, nous perdons 320 000 frères et frères nous et 14 milliards de dollars américains qui viennent mettre plus de misère dans le pays. Donc, je vous dis, nous devons servir à l'expérience 12 janvier 2010, expérience octobre 2018, là, dans la Tibonite et dans le Nord-Ouest, expérience 14 août 2021 dans trois départements, même s'il frappait sept départements, c'est trois départements qui sont victimes, pour nous faire trois bagages ça, au niveau de l'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale doit porter changement ça dans la structure de formation de tout le monde. Par exemple, dans l'école, tout le monde doit connaître les tremblements de terre. Il faut tout le monde, de façon ordonnée, apprendre qui gens pour quitter la classe là et aller dans la croix. Il n'y a pas qu'à faire de façon désordonnée. Avec dit, non seulement l'école là a une formation pour tout le monde connaître qui ça pour le faire avant, pendant et après le tremblement de terre, et tout le citoyen doit connaître ça. Mais moun ki, si moun ki nan l'école yo, moun ki nan bureau kap travay, ke nan secteur privé, secteur public, tout bureau an dedans pays a ki employé doit faire au moins 4 fois par année simulation gon ti sirène, même kote gen tremblement de terre, depuis yo fait sirène nan, son simulation, tout moun kon ki jan rapidement sans yon pa gêner l'autre pour ka courir sorti an dan kay ou bien bureau kote yo ye a, tout bagay sa yo c'est préparation que yo ye. Donc, dans le domaine ça, nous avons un investissement pour nous faire. Oui, bon, regardez qui, Jean, Japon, Chili, bon, on a parlé d'investissement, de renforcer l'État, tout, l'État local là qui a une responsabilité dans chaque fois qu'on a construit. Ouais, mais il y a yo d'abord, il y a fait esprit, parce que vous parlez de dépenser comme dans la mairie. Yo fait travail kayo mais il a pas venir dire hein mais ou joine deux monde dans mairie à tout qui tente c'est les moun yo pral couler dal ou la mairie débarquer la kayo saisi toute bagaille si yo pas saisi ou tant d'inspecteur a dit pas gain problème ou pas besoin dans mairie on régler ça là qui fait construction vient faire sans norme pas respecter il fait les bar la passer mur tuer moun alors que Japon qui gain tremblement de terre toute la journée de temps en temps. Il organisé avant la gros jeux olympiques bagaille fait vaquette affaire au Chili qui travaillait dit toute la journée non, mais pas jamais revenir dans phase non même. Bon, raison qui fait que jodi a et pour tremblement de terre 7.2 a et tremblement de terre 7.0 a en 2010. Pour qui ça que tremblement de terre 7.0 2010 là touyé 320 000 monde écrasé pour 14 milliards de dollars américains en 2010, et même tremblement de terre, ça fait 7.0 au Mexique, dans le pays Mexique, en 2010, c'est deux mouns qui mourent. C'est ça, M. Doulari. Pour qui ça joue, tremblement de terre, 14 août, touye près de 2200 mouns dans trois départements, il y a 332 mouns qui disparaissent, il y a près de 13 000 mouns qui blessés, il y a 53 000 cailles qui détruits, il y a 77 000 cailles qui dommagés. Il y a 685 000 personnes qui sinistrés, 20% infrastructure électorale là crasée qui a affecté 13% de l'électorat. C'est ça ce dit à la oui. C'est préparation. Oui. Les pays à partir d'aujourd'hui, c'est pour sauver la vie avec bien moun. Nous n'avons pas là, on a dit bagay ça. L'OAP dit l'État doit renforcer tête les structurer. Pas de menti là dedans. Vous n'avez pas dit pour moun pas mourir dans le futur. À partir de tsunami, tremblement de terre ou cyclone, dans chaque section communale, dans chaque commune PIA, leur besoin bâti, il doit obligatoire pour jouer une autorisation dans la mairie ou bien dans le casek là. Et ni mairie, ni casek là, pas qu'elle fait raquette sous ça. Il doit un bagage technique très simple qu'il y ait. Premier règlement, c'est que moun pa doit bâti aucun côté qui liquéfié. Debout bâti son terre qui liquéfié, les tremblements de terre, kaywa, c'est ton konze que ton bâti. La crasé. Premier règlement, ou pas ka bâti son terre qui liquéfié. L'état bon tout que bureau des mines, dans cadre travail, urbanisation et développement urbain,
dans grande ville pays a et dans petite ville pays a yo font carte qui montre que mais tek il crifier dans chaque zone en dedans pays a qui pas ca bâti par exemple côté lycée Philippe Guerrier ya au cap li liquefier si ou t'al bâti là encore li t'ap tombé tant qu'on zé dans prochain tremblement de terre c'est pour ça côté ou choisi pour bâti lycée Philippe Guerrier et lycée Port de Paix même bagay, côté le théa liquefier sous gen malè al bâti on côté liquefier tout petit monde qui dans caï dans l'école ça mouri dans lycée ça mouri donc journée aujourd'hui a premier règlement de dans pays a pour nous mettre en place on monde pas d'accord l'état pas doué dans rien avec vous c'est pour l'argent pas perdu c'est pour monde pas mouri de pour besoin bâti on caï koulia pour gen autorisation mairie si c'est non commune faut autorisation case classe si son non section communale il faut travaux publics faire formation pour génie civil dans mairie et faut faut travaux publics tout faire formation pour case qui dans section communale là sous ça il va participer dans ça relais renforcement des capacités de l'état deuxième bagaille là faut que kay kap bâti yo dans chaque commune et dans chaque section communale dans centre kap venir faut respecter normes parasismiques yo par exemple on côté tant que San Francisco en Californie tout kay yo bâti tout bureau l'état toute route qui fait tout bagaille qui fait dans zone là en matière de construction quel résidentiel quel privé quel public li fait ton gens pour résister tremblement de terre 9.0 et parce que on connaît Californie chita sous faille sismique c'est pas est-ce qu'il y a bien tremblement de terre c'est qui les tremblements de terre a fait donc ingénieur boss maçon architecte tout monde qui dans construction compagnie de construction yo yo konn ki jan pou yo faire fondation ki jan pou mare faire comment pour composer mortier comment pour couler béton mettre gen tremblement de terre 9.0 tout ka a camper nous même c'est même genre pour nous pas gen moun ki mouri pour nous pas gen moun ki lave nan lave men si a terre ou fin investi on kòb non kay et bien 10 secondes en 15 secondes en 20 secondes et pou wè kay la kraser devon pa gen on ka fè pour ki ça parce qu'on pas respecter normes parasismiques yo normes anticycloniques yo donc les bon bagay comme ça qui fait doit gon coordination centrale dans l'état nous wè jounen jodi a gen faiblesse nan niveau ça gon série des ministres ça matériel yo pa jam gen habitude gérer l'état yo pas même connait les quatre phases de gestion de désastre naturel et bien en plus moun yo fait monter c'est pour ça ouais l'état a gen difficulté si jojo té là jojo té gen temps souterrain et deuxième bagaille qu'on mettait c'est ça les coordinations départementales yo chaque département doit une coordination départementale qui intègre là-dedans directeur départemental ministère yo qui intègre là-dedans délégué vice-délégué yo qui intègre là-dedans magistrat et casec avec moun protection civile yo donc faut une coordination départementale et faut une coordination tout de aide externe par exemple hier dominicain yo pote manger expiré ban nous si t'es une coordination externe de l'aide bon parti nan manger que dominicain yo pote sous trois bateaux qui expiré depuis juin ou pas ka vinn pote bagay ban nous et puis c'est manger expiré quoi pote ban nous t'es doué une coordination de l'aide externe non seulement pour organiser aide là mais en même temps pour vérifier qui aide qui a ban nous ça t'est arrivé tout en 2010 et que gon nèg qui t'a l'acheté nous t'a l'acheté manger expiré Saint-Domingue à $2 et li vinn revenni l'état li à $20 li nan livre qui est les zombies falsa on connaît dans page 14 ou gen doit regarder une oligarque yo j'a l'acheté manger expiré Saint-Domingue à $2 li vinn revenni by l'état à Préval à $20 livre là li vend $14.99 sous Amazon al Brenton en anglais gardez qui est-ce qui te fait ça donc faut gon coordination aide externe en même temps tout faut nous apprendre de ça qui rive nous nous gen tremblement de terre qui rive nous 12 janvier 2010 nous gen tremblement de terre qui rive nous et en 2018 gon série de structures qui te doit là en matière de gestion de l'aide externe en matière de démonio nous des pandémies qui fait nous développer on sorte de gestion de l'urgence je voulais dire par exemple ça les structures fintech là qui j'en fait que l'état pas gagné une structure fintech nous remarquer ça crivé en 2010 la croix rouge ramassé $900 million sous dos et sous nos pays d'Haïti et puis c'est 4 cailles la croix rouge américaine construit yo boue $900 million sous dos nous. Nous voyons que la communauté internationale, là, on sait des blancs qui étaient dans
CIRH, nèg yo ramasse 10 milliards de dollars américains, yo met haïtien dehors, nèg yo bwè kòb la antre yo, blanc yo. En fonction d'expérience qui fait et études qui fait, yo monte que chaque ONG qui est à l'étranger, sous chaque dollar qui yo ramasse sous deux pays d'Haïti, c'est 5 kòb qui vivent sous terrain. 95 kòb rete nan men yo. Donc ça veut dire que nous apprenons tout bagay sa yo. Faut nous casser vie avec eux pour nous faire mieux. Qui j'en pour faire mieux? Dans toute étude, et pour ça, sous pas de bête tout, ou pas de maîtrise des dossiers, ou pas de faire bagay yo, non? Et pour ça, moi-même, j'ai des gens qui pensent que bagay, et pour ça, même pas d'anarcho-populisme. Anarcho-populisme n'a pas de compétence pour gérer l'État. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui sont dans le gouvernement là, ils sont le gouvernement de l'opposition qu'on gagne. Donc, question, ça y est les fintechs. Je viens de remarquer dans le monde que l'homme a peut manger dans le cadre d'assistance au développement ou bien les désastres naturels, l'homme peut manger souterrain, il a gêné la production agricole dans la zone. En même temps, l'homme peut manger, il vient développer sa longue politique de dépendance. Côté monde, pas de tendance à lever pied pour lui retirer l'école dans la misère côté l'IA. Fintech là sont nouveaux outils technologiques qui ont servi. Pour que les gens qui sont victimes côté dans le monde, et selon études et analyses qu'ils ont fait sur l'assistance au développement, ils ont vu que, au lieu de faire des choses, la meilleure façon pour aider les gens, c'est de transférer cash à les gens, comme cash, ou le bali sur le téléphone. Et ça, c'est les fintechs là. Bon, plateforme qu'on mette, on dit, nous mettons une plateforme nationale, et puis on dit, je vous dis, il y a une victime dans trois départements. Il y a 685 000 victimes dans 43 communes pour qui constituent département sud, département grandance et département et NIP. Eh bien, en deux plateformes, ou bien ça a le département NIP pour compte lui, en deux département NIP qui pour compte lui, en deux plateformes, ou bien tous les 11 communes, département NIP, là, à section communale, protection civile ramassée non mounio, par section communale et par commune qui victime yo, à numéro téléphone yo. Moun sa, pendant le site à côté le site dans la section communale là et dans la commune, l'homme était plateforme fintech là en place, qui c'est Banque Centrale, FAES, Ministère Affaires Sociales, et Konatel qui doit travailler ensemble avec compagnie de téléphone, Natcom et Digicel, eh bien, côté moun nan chita recevoir cop cash sur téléphone ni. Cash la vine joigne ni, même si mon cash 3000 goud là, li vine joigne nous sous téléphone nous. Donc, je vous dis, la protection civile, tu dois déjà, après 8 jours, liste tout le monde qui est victime animé au téléphone, ça qui n'a pas de téléphone, ou marqué ou pas de téléphone, mais tout ça qui a un téléphone, yo, dans chaque département, tu as besoin de recevoir 3000 gouttes de mon cachet. Qui a besoin de payer des gens, tu as besoin d'acheter dans les choses que tu as. Qui a fait tout ça pas en place? Depuis dans ça, pour qui ça, Banque Centrale, FAES, avec Affaires Sociales, qu'on appelle les protections civiles, pas mettre sous-titres en place. Et demain matin, nous connaissons à 200% à bien victimes dans le département nord-ouest, dans le département nord et dans le département nord-est. Il faut nous préparer sous-titres pour que le prochain tremblement de terre dans le grain noir, et bien, est-ce qu'il y a bien, c'est qui l'est là fait. Parce que là, nous sommes dans 100 ans. Le dernier tremblement de terre a fait en 1842. Là, nous sommes parés pour le département nord pour le prochain tremblement de terre. Et en général, nous sommes chaque 50, chaque 100 ans. Nous parés là. Et nous connaissons que minimum tremblement de terre, grand nord à pied, c'est 8.0. Il faut que nous fassions un plan pour lui. Pour que l'aile rive, à nous dit de connaître. Et vous êtes banal à populiste. Non, département sud, il y a 18 communes. Faut nous gagner une plateforme fintech là pour 18 communes. Non, département grand dans il y a 14 communes. Faut nous gagner une structure fintech là pour 14 communes. Pour que tout le monde qui est victime, yo, protection civile, travail avec, travail magistrat, travail association de base locale, identifier qui est ce qui est victime, qui côté mes numéros de téléphone. Ni. Et puis mon cachet qui est en vingt. Où il y a les blancs qui la bocob. On dit que, étant donné que étudiants montrent que chaque fois une organisation internationale, bon, on dollar, il y a 95 cobs qui étaient dans le même. C'est 5 cobs qui vivent sous terrain. Par exemple, si blanc dit, il y a 8 millions de dollars, dans 8 millions de dollars et 600 000 dollars qui vivent sous terrain. Et son chance si c'est 600 000 qui arrivent sous terrain. Ou il y a Wap dit blanc, non, ou pas besoin d'alphaïen à 8 millions de dollars, mettez 8 millions de dollars directement dans la structure fintech là. Laissez 8 millions de dollars cash là, pour directement victime qui sous terrain. Vous voulez ça en anglais, direct cash transfer.
transfert direct cob dans poche ou même qui chéri capitaine dem là qui victime dans trois départements. C'est comme ça le doit fait. C'est comme ça le doit fait. Bien entendu, l'homme de coordination centrale, coordination départementale, ou mettez un comité ou bien en coordination pour gérer aide externe. Conseil des bagailles qui a fait vite, par exemple, pour qui ça, premier ministre n'a pas fait un conseil des ministres. Et puis, dans le conseil des ministres, il prend décision. Et qu'on va un téléphone NATCOM avec Digicel, son décision du gouvernement, c'est nous-mêmes qui permettons d'exister NATCOM dans le pays. Digicel, c'est nous-mêmes en tant que l'État qui permettons d'exister, qui permettons de faire commander dans le pays. Ou pas qu'à augmenter les tarifs pendant qu'il y a un tremblement de terre dans le pays. Et que le gouvernement décide que de 14 août jusqu'à 30 juin, tout téléphone gratis dans trois départements qui victimes. Pour ça, gouvernement, pour qu'on fait ça depuis ça. Pour ça, gouvernement, pour qu'on fait ça depuis dans ça. Ça fait 8 jours. Là, il y a un conseil des ministres, téléphone gratis dans le département Sud, dans le département Grand-Danse et dans le département Nice. Jusqu'au 30 septembre. Vous n'avez pas fait ça. Ou couper le contrat qui a gagné. Parce que c'est eux-mêmes qui ont causé les gens mourir dans le pays. Parce que les gens qui ont un téléphone gratis là, même quand on active, tout problème qui a gagné, l'État a communiqué avec lui. Mais l'orité, ou a chargé les gens, faut qu'on a acheté plein, ou a exploité les gens qui sont victimes. Et le fait même que Digicel a NATCOM pour qu'on fait ça, ça montre que et ça a eu la responsabilité morale et sociale de l'homme d'affaires, pas en compagnie ni Digicel ni NATCOM. Parce que dans tout pays du monde, quand il y a une grosse compagnie aux États-Unis, il y a un drame ça a eu. AT&T et Fios et T-Mobile, quel que soit compagnie Sprint, li mette bay gratis pour moun yo nan zone nan. Comment faire gen 8 jours ça pas sande dans pays ya? Non seulement conseil des ministres pas prendre décision ça, et puis jusqu'à présent moi que des compagnies téléphone yo pas dit téléphone gratis jusqu'au 30 téléphone gratis jusqu'au 30 septembre. Pour moun nan trois départements ça. Moi dit c'est l'annoncé, il peut mettre minute pour moun yo pour permettre yo rester en contact avec femme. Regardez, ouais. Moun nan trois départements. Regardez et Sony. Moi m'a voir et frère nous pour nous ba nèg vérité. Digicel c'est un côté que Digicel on n'a pas qu'un pays dans monde là. Haïti c'est un marché côté nèg fait plus comme. C'est un marché, c'est qu'on va chaler pays d'Haïti pour Digicel. Près de 35% cob que le peuple a investi dans l'éducation, c'est dans 4 téléphones Digicel qu'il a allé. Il dit que les gens ont cob peuple et en même temps il a sacrifié l'éducation pays. Dans un moment comme ça, Digicel à NATCOM, de Koulia, 14 août à 30 septembre, téléphone qui doit être gratis dans 3 départements qui victimes. Nous ne pouvons pas nous griller dans mon et c'est pour ça moi-même. On est qui dans l'État, on forme qui dans l'État, on ne va pas mettre tête ou non. C'est le peuple qui met tout. Et décision qu'on prend. Ces décisions, comment faire 8 jours après et mon cache là pour qu'on sorti. Même bon bagaille Sony, les oligarques corrompus volent et assassins pays d'Haïti, besoin quoi? Chaque mois, il prend 20 millions dans la banque centrale pour blackout. Comment faire les peuples victimes dans trois départements pour la banque centrale pas pa qu'à mettre quoi à la disposition de finances pour que finance bas et santé publique colle besoin pour l'assister peuple là? Pour que finance bail, protection civile, FAE, CNE, et travaux publics, la croix ou jamais, la police, comme qui a besoin pour aller encadrer le peuple. Libaka comme ça, man. Libaka comme ça. Si Banque Centrale, kabaye l'aide de crédit, finance kabaye l'aide de crédit, pour faire oligarque riche, les peuples victimes, Banque Centrale doit sortir comme pour bailler le peuple et assistance qu'elle a besoin. Bagaille va continuer comme ça. Donc moi-même, pendant que bagaille a fait là, et puis moi, les gars font un budget rectificatif. Dans le budget rectificatif, les gars viennent mettre subvention pour gaz encore. Alors que le président Jovenel Moïse a coupé subvention pour gaz justement parce que c'est n'importe quel gars qui est allé le participer au peuple. Pour qui ça, les gars mettent une subvention pour gaz dans le budget rectificatif? Bagaille, ça va être fait dans le pays encore. C'est pour Mdadou, les gars viennent remettre tout le bagage en place. Non, bagaille, il va continuer comme ça. Donc, bon ensemble de décisions que l'État a dû prendre en faveur peuple qui victime yo, et président Jovenel Moïse, c'est ça qu'il a fait comme travail. S'il reste là pour le peuple là. Et c'est pour ça que nous tout. Nous pas voulu l'État côté, peuple là qui contrôle l'État. Et c'est ça que nous avons goumé pour lui. Et c'est pour lui que nous tout. Parce que tout le corps que nous avons volé, nous avons gardé qui pour le voir et
nan investissement an dans l'état qui doit faire en faveur peuple là. Donc je veux dire c'est goumen ça k'a fait. Faut très réactif parce que pendant tremblement de terre au lieu nèg y a occupé à faire peuple ça fait oligarque qui a occupé. Il va comme ça. Bon, en tout rentrer dans ça, je dis à la je dis à nous 21 mais avec tremblement de terre presque fait presque il va dossier noir et dossier presque fait il va presque fait oublier non mais il entre presque dossier et assassinat président qui devant la justice nous songe juge et Charlotte était retiré col dans dossier et jusqu'à présent nous voyons dans quel niveau ça est dossier enquête là ou te font petit coupé tout petit est-ce qu'on va répondre ouais moi dis le temps n'a pas suivi dossier qui devant la justice dossier assassinat président juge Mathieu Chan l'a déporté le affaire tout vient un tremblement de terre qui vient là nous fait depuis une semaine nous a parlé de tremblement de terre et nous pas connait qui niveau et dossier et la justice est-ce que doit déjà malgré nous chercher les nous pas rejoindre est-ce doit déjà désigner l'autre monde comme quoi dossier tremblement de terre ta et boue presque de ces assassinats président qui déjà gagne plus pas son mois. Bon, et ça dit à, c'est vrai partiellement, c'est que effectivement et dossier et tremblement de terre 14 août là avec et tempête tropicale Mathieu a vinn prend un certain attention mais grâce pas oublié et dossier président Jovenel Moïse là. Ouais. Et il était vivant. Et peuple a connait clairement, il y a quatre composantes qui touillaient président Jovenel Moïse. Premier composante là, c'est comme qui dépensait pour monter opération pour aller massacrer président. Et peuple a ouais clair là-dedans. Ça veut dire que pour monter opération comme ça, il a dépensé à peu près 20 millions de dollars américains. Et peuple là, dans tête li, li gen non et li déjà gen non oligarque qui finançait peuple a pas trompé tête li. Oligarque qui finançait pour touyer président. Deuxième composante là, c'est ça relé composante sécuritaire. Nous gagnons des informations sur yo et qui pas complet. Et ça veut dire complicité par rapport à soldats Colombie. Parce que jusqu'à présent, il y a des bagages, il y a de gros manipulations que Colombie a fait. Pour garder qui ont fait soldats qui touillent le président et sauver, il faut nous veiller avec complicité quelques gens dans l'État, il faut nous veiller ça. Sécurité toujours, complicité dans la police là, à deux niveaux. Au niveau, nous avons des informations plus ou moins précises qui sortent en public, côté 4 ou 5, dans l'USGPN qui a collaboré avec les Colombiens. En même temps tout, et en dans la police nationale là, au niveau commandement, jusqu'à présent, il n'y a pas voulu bon réticence pour les détails. Implication, moun qui n'a implication et lien qui existait, moun qui t'a détruit le président Taba le 7 février par rapport à 7 juillet, bon connexion. Il n'y a pas voulu garder connexion, par contre pour qui ça? Avec l'inspecteur général Marie-Louise Gauthier, qui était besoin de tout le président, avec Ibi Kelda Brésil, 7 février. Ça, nous par contre, pour qui ça a une résistance. C'est deuxième composante là. Troisième composante là, c'est composante politique là. Nous avons parti dans la composante politique là. Mais il y a des parties dans la composante politique là qui étaient floues. Dans la composante politique là, nous connaissons que nous avons dans la partie unité, et Badio Joseph Unité, ancien sénateur John Joel Joseph Unité, qui participait dans tout le président. Koulia, qui l'autre composante? Est-ce qu'il y a l'autre nègre unité là-dedans? Ou bien est-ce qu'il y a l'autre nègre politique qui là-dedans? Bon bagay qui flou. Ou prend sans ton bagay, mon pas kawel, salié. Ou prend l'autre bon sans ton manger. Et puis l'autre prend sans manger, ou par contre, si c'est poule, si c'est cabrit, si c'est beflier. C'est le même genre. Dans la composante politique qui tout le président, nous est clairement parti politique unité là-dedans. Nous pouvons rejoindre toute nègre unité qui est impliquée, non? Et conseil de mon journée aujourd'hui, est-ce que journée aujourd'hui, il y a des questions que nous avons posées, et questions ça, il y a des réponses faciles à eux-mêmes pour que y ait des décisions qui prennent. Et par exemple, il y a une question que nous avons posée, par exemple, à Unité qui clairement impliqué dans tous les présidents, il y a une question qui est importante parce que nous avons un effort dans le gouvernement pour bloquer et saboter l'enquête là. Question que nous avons posée,
est-ce que y a nèg en dans gouvernement qui participe et dans tout le président dans ministre et cabinet ministériel là parce que il facile pour joindre. Il y a quelqu'un qui fait me joindre, téléphone John Joel Joseph, c'est 3701-7051. Téléphone Badio Joseph, c'est 3876-7107. Il est facile pour regarder dans Digicel. Est-ce que entre novembre 2020 et jusqu'à peut-être 15 juillet, 20 juillet, est-ce que il y a un ministre ou premier ministre en dans gouvernement qui parlait avec Badio et John Joel Joseph? Depuis qu'il y a un ladder qui t'a parlé avec Nexayo, il va arrêter dans le gouvernement pour pas influencer l'enquête là, pour pas faire pression sur le commissaire gouvernement, pour pas faire pression sur le ministre, pour pas faire pression sur le DCPJ, pour pas faire pression sur le commandement de la police et la CRIE. Ça, c'est une question que nous allons répondre demain matin là. Digicel allons répondre à une question ça. Qui monde qui parle à John Joel Joseph et Badio Joseph qui dans l'État aujourd'hui? Il faut nous répondre à la question ça. Entre novembre 2020 et 20 juillet 2021. Moi-même, à l'aise. Quel que soit le monde qui touille le président Jovenel Moïse, il faut que nous joignions pour que le prochain président que le peuple a choisi dans l'élection dans le pays, quel 59e, 60e, 61e, 62e, faut que nous joignions le monde qui touille le président pour le prochain président pas mourir. Et c'est pour ça que tout nous ne pouvons pas mettre le président provisoire. Et si nous mettons le président provisoire, nous ne pouvons pas touiller le président encore que le peuple a choisi pour mettre le président provisoire. Donc, je vous dis, pour qui ça cette question simple, ça n'a pas qu'à répondre. Non, troisième composante là, qui c'est composante politique. À part les partis unités, qui l'autre force politique qui participe dans tout le président, faut nous donner réponse à lui-même. Parce que Mounsaïo, faut nous annuler complètement sous terrain politique là. Alors, dit que depuis qu'on joint nous, ou lié avec assassinat président, ou pas qu'à participer dans le processus électoral pays d'Haïti, ni dans le pouvoir l'État jusqu'à ce qu'on mourit. C'est pour nous voir un signal très clair de vous n'en tire président ou n'en tire autorité l'État ou pas qu'à participer dans la politique jusqu'à ce qu'on mourit. Faut nous voir un message clair pour que bagaille ça ou pas fait dans le pays encore. Donc faut que nous jouions qui moun. Troisième composant plan, qui l'autre élément politique a pas néguinité. Qu'on va oublier, c'est néguinité qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est dans le même qui est au pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai faut qu'a fait pour bloquer l'enquête là. Ça faut que nous veille. Quatrième élément qui est important dans tous les présidents, c'est l'élément judiciaire. Et l'élément judiciaire, l'organe comme composante, quatrième composante qui est tous les présidents, premier côté, vous joignez trois juges dans le coup de cassation. Juge Michel de la Brésil, juge Joseph Mécène, juge Wendell Kopp. Après, dit que même j'en époque qui était parlé de démobiliser l'armée, question qu'on pose aujourd'hui, la justice tellement corrompue, est-ce que nous ne devons pas démobiliser la justice? Ou même capitaine de là, on met un nom sous côté. Est-ce qu'on peut imaginer, ou même capitaine de là, la justice, ça veut dire que les bons problèmes en dans société, en deux parties, ou bien en deux parties, c'est la justice qui peut trancher en fonction des lois qui existent dans le pays. Qui moun ki gen raison, qui moun ki gen tort. Jounen jodi a, à cause de racisme systémique qui existe dans le pays, gen des nèg qui tellement puissant dans la société a, que au-dessus de la loi et au-dessus de la constitution. C'est au même qu'elle prend trois juges. Mes amis, tendez bien ça me parle dit nous, trois juges de la Cour suprême de notre pays, la Cour de cassation. Lorsqu'on juge de la Cour de cassation, ou plus qu'on paie, ou plus qu'on passe en matière d'honorabilité, et de spiritualité, de monde de bien, de senti bon, de crème, de la crème. Lorsqu'on juge dans le coup de cassation, coup suprême pays, nous, pas de rien plus honorable que ça, non? Mon honorabilité, c'est pour juger ça, même qu'elle fait, oui. Lorsqu'on a un coup de cassation, coup d'appel pays d'Haïti, c'est pour rien ce qu'elle est, non? C'est la propreté en personne, c'est sentiment, c'est la moralité qu'on y est. Et puis je dis en 2021, pour nous parler de trois juges qui sont dans le coup d'État et tous les présidents qui sont dans le coup suprême pays, nous. C'est un plus gros coup que nous prenons là depuis longtemps. Et c'est pour ça moi-même, je fais appel à juges et greffiers qui n'ont pas de mauvaises affaires qui sont si bons. Si ce n'est pas nous-mêmes,
qui font révolution dans le pouvoir judiciaire pour mettre, excusez-moi, tout juge mal propre dehors, tout greffier mal propre et corrompu dehors, pays n'a pas de avenir. Toute démocratie, tout développement économique, licita sous l'égalité des citoyens devant la loi. Qu'on riche, qu'on pauvre, qu'on moune la ville, qu'on moune dans le monde, qu'on chef, qu'on pas chef, qu'on milat, qu'on noir, la justice doit traiter tout le monde, même gens. Je ne vous dis pas le cas. Et tout le président Jovenel Moïse, dans la quatrième composante, là, qui est le pouvoir judiciaire, qui tout le président Jovenel Moïse, en le pouvoir judiciaire, jusqu'à présent, il y a des gros nègres d'oisir, mais qui ont fait manœuvre pour corrompre la justice toujours. Avec dit que les on entrer dans le coup des comptes pour que coup des comptes pour organiser séance, pour venir remettre en place des juges qui tout le président. Wendel Kok avec Ivi Kelda Brésil, et c'est le président coup des comptes là où Gavil Bragene qui fait lui. Même depuis longtemps, il y a une tendance totalitaire où Gavil Bragene, l'aide d'un journaliste, Radio Guinée, mette la prison dans le coup des comptes. Là, on prend où Gavil Bragene, qui a laissé fin séance pour rétablir deux juges qui participent dans tous les présidents. Bon, l'autre phénomène, non seulement par rapport à la justice, par rapport à coup des comptes, par rapport à BNPAD, par rapport à BRH, par rapport à ONA, qu'on vient de découvrir. Ou est-ce que vous avez une série de société qui capturent l'État? C'est pour ça que les étudiants haïtiens à l'étranger, particulièrement aux États-Unis, font nous faire une recherche sur ça, les state capture in Haiti. Allez dire que les gens ont capturé l'État en Haïti. Ça, ça veut dire. Son bail pour ou même comme étudiant capitaine de la, ou même comme auditeur qui est intéressé dans l'avancement du pays, c'est un concept pour aller étudier dans tous les présidents Jovenel Moïse. Là. En français, Nabil, la capture de l'État par les oligarques. Jean oligarque pays d'Haïti, capture l'État. Avec dit que, ou même, quand vous regardez là, qui chita non section communale, qui chita non commune, ou pensez qu'on l'État, l'État c'est pas que lié, tout ça que l'État va le servir pour contribuer à l'avancement en tant que citoyen, citoyenne dans le pays. Et pas ça lié aujourd'hui. L'autre pensez que, ou voyez sénateur, ou gen ministre, ou conseiller des gens dans la justice qui l'a pour servir en tant que citoyen, qui doit contribuer en tant que monde qui n'a pas trois pouvoirs l'État pour avancer la vie en tant que citoyen, moun sa yo pas ça faire. Je ne veux dire trois pouvoirs l'État yo pas nommé nous en tant que citoyen. Li pas nommé peuple là en tant que citoyen. Trois pouvoirs l'État ça yo, yo nommé les oligarques d'Haïti. Et m'pral bon des exemples concrets pour ka comprendre ça m'abdou là. Et président Jovenel Moïse mourit, massacré et assassiné, c'est parce qu'il t'a pensé retirer l'État dans le monde, pour que ou même dans la section communale, dans la commune, ou vienne joindre l'État. Bon, bon, trois exemples dans trois pouvoirs différents. Un bon pouvoir législatif, là. Eh bien, pouvoir législatif, là. Pendant quatre ans qui sont passés, là. Eh bien, pour vous, il t'a plus la parole. Et nous venons, pour qui ça, c'est de permettre nous venir clair. De là, 10 ou 28 sénateurs, il y a 20 qui travaillent pour oligarque. Dans 10 sénateurs qui étaient, il y a 7 qui travaillent pour oligarque toujours. Et pas pour où ils travaillent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de voter budget. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de voter loi. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de ratifier le gouvernement. Ils ont bloqué l'État pour oligarque. Et pas pour où ils travaillent. Ça, c'est un exemple pour pouvoir législatif. Nous avons un bon exemple pour pouvoir judiciaire. Dans le pouvoir judiciaire, 3 juges, cours de cassation. Oligarque yo prend yo, yo mette yo dans tout le président. Oligarque yo prend Ivi Kelda Brésil, yal mette l avec Marie-Louise Gauthier dans la police. Donc oligarque contrôle en partie la police pour yal tout le président 7 février tabac. Oligarque yo prend mécène, yo remettre li bay André Michel, ou de wet vidéo discours qui a fait sur réseau yo. Oligarque yo al prend Wendel Kok, yo remettre li pour yal dans tout le président avec Colombien le 7 juillet qui se passe là. La justice pas dans mon. Nous avons pris l'autre exemple, oui, un de pouvoir judiciaire, qui montre que les décisions justice importantes à prendre, ce n'est pas juge qui prend, mais c'est oligarque qui dicte. Par exemple, oligarque qui fait tout les greffiers, et puis qu'il y a... Et moi-même...